Bonjour mes amis youtubeurs, youtubeuses et bonjour mes amis de messageurs Facebook et bienvenue pour les actus spéciales Comic-Con San Diego 2017 à la française. Oui, à la française, parce que déjà d'une, j'ai ventilateur, je suis chez moi et je ne suis pas à San Diego. Oui, ben, évidemment, on fait les actus à la française, mais on suit côté les actus San Diego des Comic-Con et donc voilà. Donc c'est pas grave, on fera. Mais attendez, on va se calmer hein, d'abord. Hein, vous savez combien ça coûte à San Diego, comme en États-Unis? Hein, ça coûte très, d'abord ça coûte très 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 cher. Et en plus, il y a plus de 6 heures décalage. Donc attention, hein, on suit la même chose, mais nous on fait à la française. Donc voilà. Donc il n'y a pas chichi, il n'y a pas chiqué, voilà. Alors, c'est pas grave, parce que d'abord d'une, il y a le t-shirt de... Donc c'est Hulk, hein. Ça va Hulk? Ouais. Donc là, il a compris. Et puis évidemment le jean. Et oui, il faut pas oublier qu'il y a le jean avec The Linkin Park, parce que vous savez que Linkin Park pour moi c'est mon groupe préféré et je suis un vrai fan. Donc c'est pour ça que pour moi c'est ici. On va, c'est ici dans mon cœur. Il est là toujours. Et donc ça évidemment pour moi c'est Linkin Park. Il faut en parler tous les jours pour moi parce que ça. Je suis vraiment accro et je suis un vrai fan. Et puis, hop, le petit basket. Donc, en fait, ils étaient normal, hein, voilà. Alors, au sommaire aujourd'hui, on va parler évidemment des films qui vont sortir en 2017-2018. Il y aura aussi des nouvelles séries qui vont arriver. Et surtout, on va parler les messieurs de le monsieur. Et ben oui, c'est. Bien sûr, Star Wars. Là, c'est Star Wars, évidemment. Ça, c'est le côté de comics par Marvel, évidemment. Ouais, Monsieur Stan Lee et Marvel a laissé aussi dedans. Acheté par Monsieur Disney, comme on dit. Et là, c'est bien sûr The Dark Rider en comics. Il est très, très, très bien ce comic. Et en plus, ça existe aussi en VF. Et vous pouvez acheter à la Comic Zone de Comic Shop à la. Rincez, voilà qu'on peut dire exactement. Voilà. Et de toute façon, vous n'avez pas le choix. Sinon, vous allez faire. Oui. Merci, Luc. Voilà. Alors, pourquoi on va parler Star Wars? Pourquoi on va parler de côté de Star Wars? Vous savez que le 13 décembre, il risque d'avoir le 8e épisode qui va arriver chez nous en France. Évidemment, qui s'appelle Les Derniers des Jedi, justement. Bon, c'est pas très compliqué, on sait très bien. On va dire pourquoi. Et donc, ce sera le 8e épisode, évidemment, où on retrouvera le monsieur Luke Skywalker. Alors, par contre, il faut dire les titres, c'est pas très bien compliqué. Il faut imaginer le scénario qui cherche, les scénaristes qui cherchent le titre d'histoire. Alors, déjà, le réalisateur. Alors oui, il faut penser évidemment pour les fans de Star Wars. Vous savez que cette année, on fait le 40e anniversaire. Hein, donc c'est Monsieur Disney qui a dit ça. Et donc il faut chercher le titre, comment on va appeler le 8e épisode. Ouais, alors attends. Déjà, dans cet épisode, vous avez ces dessins d'obscurité, il faut éviter. Donc on va remettre par exemple... Ouais, on s'est omettait le réveil de la force. Ah ouais, ça c'est très bon. Je pense que les fans ils vont adorer, évidemment, le 7e, le réveil de la force, le 7e épisode. Ça va être génial, ça va être super. Je sens que Disney, ils vont se régaler là. Ouais. Et bon, vous savez, après, bon, le film est sorti, évidemment, c'était très mauvais. C'est pas réalisé par J. Abrams. Bon, ben... Disney n'est pas très content, hein, parce qu'on trouvait que les fans ne sont pas très contents, le public aussi, parce qu'on trouvait que ça fait penser au 4e épisode. Bah ouais, mais on peut pas faire de nouveautés de Star Wars, il faut avoir une nouveauté, mais il faut revenir des anciens aussi. Hein, bon. Ah bah surtout les fans, ils sont pas contents parce qu'on a tué Han Solo. Mais c'était voulu, parce que c'est Harrison Ford qui nous a annoncé ça, justement. Oh, mais ils s'en foutent, quoi. Bon, allez, il faut que le 8e épisode, évidemment, soit assez fun, assez classe. Mais je sens que Disney va être content. Bon, attention, attention mes amis, hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a la 40e anniversaire. Donc cette année, on fait les 40 ans de Star Wars. Donc il faut faire plaisir, évidemment, les fans. Alors, comment voulez-vous qu'on appelle le 8e épisode? Alors attendez, on va chercher, on va pas chercher à comprendre.
Ah, c'est compliqué. Ah ouais, rappelez-vous le huitième épisode, rappelez-vous le sixième épisode, le retour des Jedi. Vous savez, avec Luke Skywalker qui s'affrontait contre son père, Dark Vador, Anakin Skywalker. Ouais, bah oui, exactement. Eh ben, vous savez, avec les nouvelles versions de Jedi. Ouais. Bah oui, exactement. Et pourquoi? Alors, pourquoi tu dis ça justement, mon ami? Eh ben, c'est pas compliqué, on va mettre... Au lieu des derniers, le retour de Jedi. Et pourquoi on va pas faire le même sens avec les derniers des Jedi? Ça va être quelque chose d'intéressant. Et je sens que les fans vont aimer Disney aussi. Et en plus, on va faire un bon 40e anniversaire. Ça, c'est classe, non? Tu veux dire que toi, tu trouves un titre qui n'a pas sens et tu trouves que c'est classe. Alors déjà, le réveil de la force, mon pote, on sait ses côtés, le grand retour du quatrième épisode et descendre de l'obscur dans le retour digital du cinquième épisode, de l'Empire contre-attaque, excusez-moi, de l'Empire contre-attaque, le cinquième épisode, qui Luke Skywalker qui est évité justement descendre de l'obscur. Et tu refais là-dessus. Et en plus, c'est pas compliqué, le huitième épisode, on sait déjà que c'est la nouvelle version du Retour de Jedi. Alors, le titre qui dit, ouais, c'est pas compliqué, on va mettre le dernier des Jedi. Ça vaut pas sens, le titre. T'as fumé la moquette, mec. Parce qu'on sait très bien que le dernier des Jedi, hein, c'est la reprise du Retour de Jedi, mais en nouvelle version. Donc, les scénaristes de Disney ou les scénaristes de Lucasfilm, je suis désolé, hein, ça vaut pas coup ce titre à la merde. Hein. Franchement, on sait que c'est le 8e épisode, on est content, mais le titre, franchement, il est pourrave quoi, changer un peu autre chose. On a l'impression qu'on revoit le dernier Jedi, une nouvelle version, quoi. Mais il faut arrêter, en tout cas, il faut arrêter de déconner, quoi. Et arrêtez les conneries, ça. C'est non, si vous ne changez pas de titre, il y a. Voilà, il y a le titre, hein. Si vous ne connaissez pas le titre, évidemment, il y a. Il y a Luc. Merci, voilà. Si vous aimez les commentaires, en tout cas, envoyez Philet Tomo, évidemment, de Actu Comics spécial San Diego 2017, et donc envoyez plein de commentaires. Et par contre, si un jour je suis au repos le week-end, vous inquiétez pas, je peux vous répondre votre commentaire. Pour l'instant, j'ai plein d'idées encore, mais à ce jour, que pourquoi pas le 15 août, je peux me reposer un petit peu et vous répondre vos questionnaires, vos commentaires. Allez, tout de suite, c'est les bonnes annonces de. Bah voilà, vous savez, maintenant c'est les derniers des Jedi, hein, ils sont pas compliqués, Disney, et donc on se retrouve juste après. Pour les autres activités des comics, on va parler DC Comics. Allez, envoyez plein de commentaires et tout de suite, les bonnes annonces de les derniers des Jedi. Qu'est-ce que t'en penses, Hulk? Alors, Hulk, t'en penses quoi, mon ami? Ouais. Je suis d'accord avec lui parce que franchement, ça vaut pas sans ce titre. Allez, envoyez plein de commentaires.